Bon, il n'y a pas à dire, il y a même des chouettes trucs dans le sud, même si ça va, c'est un grave. Là, il y a des couleurs de dingue, il y a un lever de soleil avec un grain, je vais vous montrer ça. Je prends un risque de me mouiller, je mets pas de ciré. Si vous voyez le champ de bosse, c'est n'importe nawak avec des gros grains comme on voit là derrière. C'est quand même difficile d'évoluer. Alors on est trois riz J3. C'est quand même pas une partie de plaisir hein, ce dossier là. Bon, il y aura des jours meilleurs hein, parce que là. On peut dire que on prend cher. Donc on fait le dos rond et puis on essaye de pas casser le bateau quoi. La vie à bord c'est assez difficile. Tout est compliqué quoi. Manger, tu te sers un verre d'eau, il y a la moitié du verre d'eau qui tombe par terre. Dormir quand on y arrive entre deux grains quoi. Avec le bateau, j'avais rencontré 49 nœuds, je crois, il me semble, sur un bon voyage. Et là, j'ai vu un 64 dans un grain. Très souvent 52 cette nuit. En ce moment, c'est franchement pas terrible. Vous voyez le grain derrière moi là. Le bateau qui part en surf sans qu'on lui demande. Alors les voiles, elles sont bordées à la fois pour des conditions à 25 nœuds et puis à la fois des conditions à 50 nœuds. Quoi, en fait, c'est un réglage moyen. Pour essayer de pas aller trop vite, pas être trop lent pour pas se faire rattraper par les vagues parce que souvent c'est dangereux. Là on voit une vague derrière. Hein. Bon allez, à très vite, ciao.